ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis habillée comme hier. On prend les mêmes et on recommence. Je suis tellement à l'aise dans ce pull que je l'ai gardé. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Aïe est en train de jouer. Wail aussi. Et aujourd'hui, Wail a basket. Tous les samedis matin, il a le basket et c'est son papa qui le ramène. Et il a basket vers 10h. Là, j'ai encore un petit peu le temps et je voudrais préparer un brunch, voilà, pour qu'on puisse passer un petit moment sympa ensemble. Et je vais préparer le msemen. Le msemen, c'est les crêpes feuilletées, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le nom. Beaucoup d'entre vous me demandent comment est-ce qu'on les fait et je vous ai déjà présenté des recettes inratables. Vous m'avez dit, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs recettes sur ma chaîne pour le msemen. Les recettes diffèrent plus ou moins. Et quelques-unes d'entre vous me disent, mais c'est laquelle la bonne en fait? C'est laquelle qu'il faut prendre? En fait, toutes les recettes que je vous présente, elles sont bien. C'est juste que moi, je m'adapte par rapport à ce que j'ai dans la maison. Si j'ai pas de farine, si j'ai peu de farine, bah, je vais combler avec la semoule extra fine. Si j'ai peu de semoule extra fine, je vais combler avec la farine. Vraiment, c'est comme à chaque fois, comme ce que je vous dis. Vous entendez la cafetière là qui est en train de se laver? Elle a décidé de le faire au moment où je vous parle et elle va encore en faire du bruit. Voilà. Ça, c'est notre chère et tendre cafetière et le bruit qu'elle fait parce qu'en fait, elle se lave automatiquement. Donc, je vous disais, je m'adapte toujours par rapport à ce que j'ai à la maison. Je ne me force pas à sortir, à aller chercher des ingrédients si je peux dépanner avec ce que j'ai. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter la recette complètement inratable, 100% réussite. Vous ne pouvez pas la rater et je sais que beaucoup, beaucoup d'entre vous l'ont déjà testé et même avec leurs enfants, avec leurs ados et qui m'ont dit oui, j'ai ma fille qui est ado, qui a voulu la tester, elle l'a réussi, c'était parfait, etc. Donc n'hésitez pas à tester. Les ingrédients sont très, très faciles. Je vous montre ça tout de suite et du coup, je pense que ça va être un petit brunch tout simple. J'ai des oranges qui traînent depuis le week-end dernier. Mon mari les a achetées dimanche dernier et on les a toujours pas utilisées, donc ça va être jus d'orange. Une semaine et puis la baguette et voilà, on va faire avec un petit peu de thé, il y aura un petit peu de tout. Donc c'est parti. Pour faire la pâte, j'ai besoin du Thermomix. Le Thermomix, c'est juste pour me servir de quoi pétrir en fait la pâte parce que je n'ai pas d'autre robot moi à la maison pour pouvoir pétrir la pâte. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir le Thermomix. Moi, je vais juste pétrir, c'est tout. Donc ou vous le faites à la main, ou vous avez un robot pour pétrir la pâte, ou vous avez le Thermomix et vous faites comme moi. Mais vraiment, c'est tout ce à quoi ça va servir. Pour les seuls ingrédients pour lesquels dont on a besoin, pardon, pour le moment, c'est la farine, l'eau, le sel et la semoule extra fine. Ce n'est pas de la semoule fine, c'est de la semoule extra fine. Si vous prenez de la semoule fine, ça ne va pas être réussi, ça va déchirer la pâte. Donc c'est parti. On a besoin déjà. Donc moi je vais mettre ma balance et c'est ça que j'aime bien avec le Thermomix, c'est qu'il peut pétrir, peser tout en même temps. C'est juste ça qui est super avec pour le moment. Pour d'autres recettes, il sert à bien plus que ça. Donc là, j'ai besoin de 400 g de finot ou de semoule extra fine. Hop. On y est presque. Eh ben parfait. Ensuite, on a besoin de 200 g de farine. Donc en tout, on a besoin de 600 g entre la farine et la semoule extra fine. Voilà. Donc 600 g. Le sel, c'est selon les goûts. Moi, personnellement, je prends toujours à la main. C'est exactement la même recette que vous prenez si vous voulez faire une semaine farcie. C'est la même recette, sauf que vous prenez votre farce et que vous le mettez à l'intérieur. J'ai du mal à parler. Mais sinon, c'est exactement la même recette. Alors, je remets la balance. Je sais pas pourquoi j'y suis sortie. Et ensuite, on a besoin de 380 grammes. Exactement d'eau, 380 grammes d'eau. Donc j'y vais doucement parce que si j'ai plus d'eau, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben je pourrais pas la retirer. Hop. Ça, c'est vraiment toujours ma crainte de dépasser.
On y va pour 2 grammes ou pas? Allez. Non, mais c'est pas possible. Ça veut pas. Ah, voilà, 380 grammes. Parfait. Et maintenant, je vais pétrir. Voilà. Pétrin. Et pour moi, je mets toujours 5 minutes. Alors, ça, c'est vraiment très, très important. Faut pétrir le maximum de temps que vous pouvez. Vraiment. Si vous pouvez laisser pétrir jusqu'à 10 minutes, c'est bien. Parce que plus la pâte, elle est bien pétrie, mieux elle sera. Donc, moi, en général, je laisse toujours 5 minutes. Une fois que ma pâte a fini de pétrir, je l'ai laissée poser au moins 15 à 20 minutes minimum. Après ça, je l'ai sortie comme vous le voyez avec moi et je viens la mettre en boule. Et comme ceci, je vais les mettre les uns à côté des autres. Alors pour la taille, ça tout dépend si vous voulez des semaines petits, grands, moyens. C'est vous qui voyez. Ensuite, j'ai pris de l'huile de tournesol, de l'huile de table et je viens les badigeonner par-dessus. Et ensuite, je prends du film alimentaire, je filme le tout et j'ai laissé poser encore une fois 10 à 15 minutes avant de venir travailler ma pâte. Donc, une fois que je les mets en boule de pâte, je les laisse poser. J'ai de la semoule extra fine, exactement la même que celle avec laquelle j'ai fait la pâte, dans un petit récipient. Et juste à côté, j'ai de l'huile de tournesol. La semoule extra fine, vous pouvez y rajouter, si vous le souhaitez, de la levure, un peu de levure chimique, pour que votre feuilleté soit un peu plus gonflé. Cette fois-ci, moi, je n'en ai pas mis, mais parfois, j'en mets. Ensuite, j'ai pris, comme vous l'avez vu, une pâte que j'ai étalée à l'aide d'huile. Donc, j'ai mis de l'huile sur mon plan de travail, de l'huile aussi un peu sur la pâte, et j'ai étalé la pâte jusqu'à ce qu'elle soit très, très, très fine, extrêmement fine, qu'on voit en fait le plan de travail, pardon, à travers. Donc, je refais avec vous parce que le temps que je vous explique, eh bien, la crêpe était déjà terminée. Donc, j'étale bien comme vous le voyez avec moi. Vraiment, on voit le plan de travail à travers. Plus vous allez pétrir correctement votre pâte, plus vous allez la laisser poser, moins elle va se déchirer quand vous allez l'étaler. À chaque fois que vous avez l'impression que c'est sec, vous rajoutez un peu d'huile. Une fois que j'ai bien étalé, j'ai mis un petit peu de semoule extra fine. Ensuite, je viens plier. Alors, le pliage, il y en a qui font de différentes façons. À chaque fois que je plie, je rajoute un tout petit peu de semoule. C'est vraiment très léger. Et je plie et je laisse poser. Pendant ce temps-là, j'ai sorti une poêle que je fais chauffer à feu moyen. Donc, pas à feu très doux, mais pas à feu fort non plus. Une fois que c'est bien chaud, je mets ma crêpe dessus et je continue à étaler mes autres crêpes, puisque quand elles sont étalées et qu'elles posent, eh ben c'est toujours mieux. En fait, à chaque étape, ce qui est vraiment le secret de la réussite, c'est qu'à chaque étape, il faut laisser la pâte reposer. Et quand vous mettez votre msemen sur la poêle, il faut le retourner toutes les 2 minutes, vraiment sans exagération, toutes les 2 minutes, puisqu'il ne faut pas le laisser cuire sur un côté et ensuite le retourner de l'autre. Non, non, il faut vraiment le retourner aussi souvent, pardon, que possible pour que la cuisson soit bien homogène et pour que la coloration soit jolie, donc que la coloration de chaque côté soit jolie. Vous voyez, ça gonfle. Là, je n'ai pas du tout mis de levure et pourtant ça gonfle bien, vraiment, elles étaient extrêmement bonnes. N'hésitez pas à refaire la recette, encore une fois, elle est très très facile et très simple à faire. Et pendant ce temps-là, mon mari est rentré et quant à lui, il a décidé de faire du jus d'orange. Je devais le faire, mais il m'a devancé un petit peu. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Il fallait absolument qu'on se dépêche pour mettre la table et pour manger. Voici du coup le résultat final d'Emsemen. Là, je n'ai pas la totalité. Il y en a 2 en moins qui ont déjà été dévorés en 2 temps 3 mouvements par les enfants. Et voici à quoi ça ressemble des 2 côtés. Pour vraiment avoir une jolie coloration, encore une fois, il faut tourner la pâte pendant la cuisson à plusieurs reprises. Essayez-les, dites-moi pardon ce que vous en pensez. Si jamais vous n'avez pas le thermomix et que vous allez le faire, l'eau, vous pesez l'eau et vous la rajoutez petit à petit pendant le pétrissage. Les 380 grammes d'eau, vous les rajoutez petit à petit pendant le pétrissage pour qu'ils soient parfaits. Je vous retrouve bien après avoir avalé ce brunch. C'était top. Franchement, c'était un petit moment sympa. Par contre, j'aurais voulu vous montrer la table, j'aurais voulu vous montrer tout ça. Et en fait, j'ai pas pu parce que mon mari, quand il est rentré avec Wail, j'ai un mari qui est très migraineux.
Vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'extrême. Et là, avec le froid, bah, il a des migraines. Et je voulais. En fait, il m'a dit, bah, finis et tout, ta préparation de table. Je mangerai après la sieste. Il pensait aller faire une petite sieste pour reposer un peu sa tête. Et en fait, vu que je voulais qu'il mange avant d'aller dormir, comme ça, bah, il a le ventre bien plein et il se repose une fois pour toutes, je me suis précipitée pour poser la table, pour qu'on puisse manger, pour qu'il puisse aller dormir. Et j'ai pas pu vous la montrer. C'est pas grave, vous avez vu l'essentiel, semaine. Pour la table, on n'a rien posé d'extraordinaire. Mon mari a ramené avec lui du coup la baguette. Ouais, il avait envie d'un croissant, donc il a ramené un croissant à Wail et pour faire plaisir à Aya, un pain au chocolat. Et puis on a posé tout ce qui est confiture, les œufs, le fromage, le beurre, enfin tout ça, le thé, le jus. Voilà, c'était tout. J'ai essayé de faire une jolie table qui maintenant ne ressemble strictement à rien, hein, qui fait peur à voir, montrer les cadavres des vers et tout ça. Mais bon, les enfants sont repartis jouer là, sont en train de jouer dans leur chambre. La semaine dernière, c'était leur anniversaire. Ils ont fêté, enfin c'était pas leur anniversaire, ils ont fêté plutôt leur anniversaire parce qu'ils n'ont pas pu le fêter en temps et en heure avec leurs copains. Et du coup, bah, ils ont reçu plein de cadeaux par les copains. Et moi, quand ils reçoivent plein de cadeaux comme ça, je ne les autorise pas à tout ouvrir d'un coup. Ils peuvent en ouvrir un ou deux chaque week-end. Donc là, ils en ont ouvert deux chacun le week-end dernier. Là, ce week-end, ils ont le droit d'en ouvrir deux chacun. Et puis le week-end prochain, etc., jusqu'à terminer leur cadeau. Mais s'ils en ouvrent, enfin, pour ceux qui me suivent savent que j'ai toujours fonctionné comme ça. S'ils ouvrent tout d'un seul coup, ben en fait, ça n'a plus aucun sens parce qu'ils vont pas. Ils vont être perdus dans tous ces jouets, ils ne sauront pas en profiter, alors que s'ils en ouvrent un ou deux par week-end, eh ben ils ont tout le week-end pour profiter de ces deux nouveaux jouets. On le sait, hein, les jouets, les enfants, ils ne passent pas beaucoup de temps dessus, donc c'est en plus, ils en ont plein d'un seul coup. C'est pas possible. D'ailleurs, moi, j'ai jamais. Je comprends ceux qui font la magie de Noël en offrant plein de cadeaux d'un seul coup. Je trouve ça très beau, hein, je trouve ça magique, je trouve ça très beau. Mais pour les enfants, c'est pas le top parce qu'ils sont perdus dans plein de jouets et au final, bah, ils jouent avec rien parce qu'ils savent plus où donner de la tête. Voilà tout. Sinon, ah oui, j'ai eu quelques questions hier par rapport à ce fameux pull. D'ailleurs, je l'ai porté à l'envers. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez l'avant? Ce matin, je l'ai porté à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Quelques-unes d'entre vous m'ont dit, enfin, j'ai surtout reçu un commentaire qui m'a touchée d'une personne qui me disait que ma relation avec mes beaux-parents avait l'air sympa, avec mes parents, avec mon mari, etc. Et elle se demandait si c'était la même chose dans la vraie vie. Faut savoir que ce que je vous montre en caméra, c'est moi à 100%. Voilà, je ne joue pas la gentille ou je ne joue pas la méchante en caméra. Non, je suis vraiment ce que je suis dans ma vraie vie. La relation que vous voyez avec mes beaux-parents, c'est la vraie. C'est comme ça que je suis, comme ça tout le temps. La relation avec mes parents, c'est comme ça que je suis tout le temps. La relation avec mon mari, c'est la même tout le temps. Voilà. J'ai été coupée, mais je vous disais, voilà, je suis la vraie. Comme vous me voyez à la caméra, comme je suis dans la vraie vie. En témoigneront ma mère qui regarde toutes mes vidéos et vos commentaires, et ma belle-mère qui regarde toutes mes vidéos et mes commentaires. Pour le mari, je ne suis pas sûre qu'il regarde mes vidéos. Je pense que quand je ne suis pas avec lui, que je suis en vacances et que lui il est à la maison ou vice-versa, bah, peut-être qu'il regarde. Mais quand. Moi, je pense pas. Je sais même pas. Je sais même pas vraiment s'il regarde mes vidéos. Mais en tout cas, ma belle-mère et ma mère, je peux vous assurer qu'elles regardent toutes les vidéos et tous les commentaires. Donc, non, non, je suis vraiment telle que je suis en caméra. Après tout cela, il fallait se lever et débarrasser. Donc, j'ai débarrassé la table que j'ai déjà d'ailleurs nettoyée. Et ensuite, je viens débarrasser la cuisine. J'ai déjà commencé à remplir le lave-vaisselle. Je retire les trois dernières petites choses qui traînent dans la cuisine. Et comme ça sera nickel. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont demandé dans la vidéo d'hier, est-ce que quand je fais des grands rangements de tiroirs, de placards, etc., est-ce que ce jour-là, je m'occupe aussi du reste de la maison? Eh bien, dès que je me lève, la première chose que je vais faire, c'est faire les lits. Ça va me prendre à peu près une petite demi-heure. Je ne vais pas faire la poussière, par exemple. Je ne vais pas passer l'aspirateur, par exemple. Je vais faire passer l'aspirateur robot, mais je ne passerai pas l'aspirateur ni la serpillière. Pour ce qui est du salon, en règle générale, il est toujours nickel avant que j'aille dormir. Donc le matin, quand je me lève, la seule chose qui traîne, la vaisselle du petit déjeuner qu'il faut mettre dans le lave-vaisselle ou alors qu'il faut laver à la main parce que le lave-vaisselle est déjà rempli. Allez, une fois que j'ai terminé du coup avec la cuisine,
J'ai eu une envie de changer ce cadre. Alors ce cadre, je l'ai accroché avec des adhésifs. Donc moi, j'ai décidé de ne plus faire de trous sur les murs. Attention à une chose. Donc j'ai décidé de le changer avec ce cadre. Les adhésifs avec lesquels j'accroche mes cadres, c'est ceux-là. Donc je vous montre tout. Mais par contre, sachez que il n'y a pas de trou dans le mur, bien évidemment, mais parfois quand vous voulez les retirer, eh ben, de temps en temps, vous avez aussi un peu de peinture qui va s'arracher avec les adhésifs parce qu'ils sont assez forts. Donc parfois, ils arrachent la peinture. Moi, ça m'est déjà arrivé. Par contre, ils tiennent très bien. Depuis que j'ai accroché mes cadres, je dois avoir à peu près une dizaine ou une quinzaine de cadres à la maison. J'en ai seulement un seul qui est tombé une fois. Tout le reste n'est jamais tombé. Donc ça peut arriver parfois que ça lâche. Le cadre était en plexiglas, donc il ne lui est rien arrivé. Comme vous l'avez vu, ce sont des petites attaches. Moi, je les achète sur Amazon. Vous en avez un peu partout dans tous les magasins de bricolage. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ceux-là que j'achète sur Amazon. Donc vous venez retirer l'adhésif, vous le collez sur votre cadre. Donc ce sont deux embouts en fait qui viennent s'éclipser. Vous retirez sur le cadre, il y a un embout qui va rester sur le mur et l'autre embout qui va rester sur le cadre. Et donc ensuite, je retire le deuxième adhésif pour pouvoir en fait coller tout simplement le tout au mur. Plus vous avez des cadres qui sont grands, plus ils sont lourds forcément, plus il va falloir rajouter des adhésifs. Moi par exemple, quand c'est des petits cadres, je mets un de chaque côté et non pas deux de chaque côté. Avant d'accrocher votre cadre, n'oubliez pas de faire des petits traits pour vous assurer en fait que votre cadre sera bien droit. Donc moi je l'ai fait juste avant, j'ai oublié de vous montrer ce détail, mais quand même je vérifie que le cadre est bien droit et qu'il est bien positionné. Le cadre ainsi que l'affiche viennent de chez Desenio. Bon, voilà ce que ça donne après le tableau changé. Je trouve que c'est beaucoup mieux, ça a grandi l'espace. C'était pas du tout prévu, hein, vraiment pas du tout. Là j'ai regardé, je me suis dit, ah faudrait peut-être changer. D'ailleurs c'est le tableau qui était juste là à côté de la télé, je l'ai retiré. Et puis je l'ai mis là, je sais pas, je trouve que ça fait sympa, je trouve que ça agrandit l'espace, ce petit endroit où il y a les plantes et mon ami aspirateur robot. D'ailleurs je ne peux plus m'en passer de cet aspirateur robot. Mais sinon ouais, je trouve que ça fait sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Comme je vous disais, c'était pas prévu, moi il faut pas me laisser m'ennuyer. Si je commence à m'ennuyer, je vais commencer à faire n'importe quoi. Et là vu que j'ai pas trop de programme pour aujourd'hui, eh ben allez, hein, je me suis dit, je vais commencer à changer quelques petites choses.